Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un combat qui a scellé la fin d'une ère, celle de Sugar Ray Leonard. D'abord, parlons du contexte. C'était le 9 février 1991 au Madison Square Garden de New York. Ce lieu mythique de la boxe fut le théâtre du début de la triste fin de Sugar Ray Leonard. Ce combat récompensait le titre WBC des Super Welter entre Terry Norris, 23 ans, et Sugar Ray Leonard, 34 ans. Soyons clairs, je vous le dis maintenant, Ray Leonard a pris une véritable gifle de Terry Norris. À bien des égards, Sugar Ray Leonard n'avait plus besoin de boxer. Il n'avait certainement pas besoin de Terry Norris en 1991. Norris était différent des récents adversaires que Leonard avait affrontés lors de son dernier retour qui s'apparentait à une tournée senior. Norris, le champion WBC des poids welter, n'avait pas le curriculum vitae de Marvelous Marvin Hagler, Thomas Ernst ou Roberto Duran, mais il était plus jeune et plus rapide. À 34 ans, c'était la dernière chose dont Leonard avait besoin. Leonard était ravi de se battre enfin dans l'emblématique Madison Square Garden. Les légendes s'y étaient battues et Leonard souhaitait inscrire son nom sur le mur de l'histoire. Mais il y avait plus qu'un soupçon de sous-estimation d'un combattant qui était bien plus dangereux qu'il ne le paraissait. Norris deviendrait en quelque sorte un tueur de légende. Leonard fut le premier, il ne sera pas le dernier. N'ayant pas boxé depuis 14 mois, depuis un troisième combat terne avec Duran, mais probablement uniquement de nom, Leonard était toujours installé comme un grand favori des paris. Même Boxing News a déclaré qu'un upset était peu probable. Mais Emmanuel Stewart, qui était lié à l'entraînement de Leonard pour le combat, a déclaré que Leonard avait commis une erreur en choisissant Norris. Beaucoup étaient d'accord. C'était toujours un combat bien plus dangereux que certains ne voudraient le croire. Le camp d'entraînement était un avertissement qui n'aurait pas dû être ignoré. La séance sparring par Michael Ward, un jeune poids welter et une balle au corps qui ont causé des dommages supplémentaires, en se fissurant une des côtes de Leonard, Leonard aurait dû au moins reporter. Il aurait dû prendre sa retraite et définitivement. Mais Leonard se trompait depuis de nombreuses années. Il pensait que Norris allait se couper rapidement. Il s'est trompé. Leonard a dit qu'il savait qu'il perdrait sur le ring. Au moins, il avait raison sur ce point. Leonard a été au tapis à deux reprises et battu pendant une grande partie des 36 minutes de combat. Leonard avait 34 ans et même si ses compétences autrefois magnifiques sur le ring avaient maintenant diminué de manière irréparable, il faisait toujours preuve d'un cœur et d'un courage immense en voyant le combat se terminer. Leonard a toujours eu du courage en abondance, ce que beaucoup de gens lui attribuaient. Derrière tout ça se trouvait un pur combattant. Cela l'avait sauvé auparavant, notamment contre Ernst en 1981. Contre Norris, même cela n'a pas été suffisant. Norris, à 23 ans, était tout simplement trop rapide et puissant pour le champion vieillissant. Les scores de 120-104, 119-103 et 116-110 reflètent la nature unilatérale du combat. Norris a déclaré après le combat, « C'était un triste combat. C'est mon idole et je l'ai battu durement. Il n'aurait pas dû faire ce combat. C'est mon dernier combat. » Il a fallu ce combat pour me montrer que ce n'était plus mon heure, dit Leonard avant même de quitter le ring. Il le savait, mais 6 ans plus tard, il a oublié. Une nuit encore plus triste contre Hector Camacho fut sa dernière danse. Camacho l'a arrêté et a arrêté la carrière de Leonard une fois pour toutes. Ray Leonard terminera sa carrière avec un palmarès de 40 combats, 36 victoires, 3 défaites et 1 nul. Les deux derniers combats ont été les deux combats de trop. Il aurait dû arrêter en 1989 lors de la victoire étriquée contre Roberto Duran au point. Mais la vérité est que quand Leonard est revenu de sa première retraite en 1987, il était déjà sur la pente descendante. Son dernier bon combat a été en mai 1984 contre Kevin Howard et après on ne l'a plus vu jusqu'en 1987 et il est revenu en 87 pour le combat contre Marvin Hagler qui a été également un très bon combat. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce combat. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pensez à liker, à partager si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et vive la boxe. This is my last fight. Thank you for coming out. God bless you all.